imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Miss Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am Model XZ-2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted updates. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage. Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, Nomads found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She is very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker, the Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. Bonjour tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc sur la découverte de Siberia The World Before, qui est donc le dernier des Siberia pour le moment. Vous avez eu Siberia 1, Siberia 2, Siberia 3. Vous les avez sur la chaîne, je vous les mettrai en fin de vidéo. Là, on est sur la démo, puisque c'est le festival. Il y a eu le festival, ou c'est toujours le festival des démos au niveau de Steam. Donc j'en profite pour vous faire la démo de Siberia The World Before. Il est sorti le 18 mars 2022. Il est édité par Microïd et développé par Microïd Studio Paris. Nous allons devoir démêler les destins croisés de Kate Walker, héroïne des trois premiers opus, et de Dana Rose, une prestigieuse pianiste de Wagen. Donc la carrière est menacée par l'ombre de la Seconde Guerre mondiale. Dans un périple au cœur de l'Europe de l'Est, tour à tour, en 1937 et en 2004. Il est précisé qu'il n'est pas obligé d'avoir fait les trois premiers opus pour pouvoir jouer à celui-ci. Donc il est pris hors promo au niveau de Steam à 39,99€. Vous pouvez l'avoir moins cher, soit sur Steam, soit sur Instant Gaming ou autre plateforme de clé officielle. Voilà, donc on est parti pour découvrir le dernier opus de Siberia, The World Before. Printemps 1937, une jeune femme traverse d'un pas pressé les rues de Wagen, la capitale d'un petit pays d'Europe centrale. Elle s'appelle Dana Rose et doit arriver à l'heure pour un important rendez-vous.
Alors comme d'habitude, ça ne change pas. Vous savez qu'on se déplace, c'est un point and click. Donc on va essayer d'avancer, je ne sais pas du tout. Il faut que je me dépêche. Frau Beckmann a dit qu'elle m'attendrait sur la place en haut de la rue principale. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors Donna, c'est le grand jour? J'ai bien peur que oui, Herr Baumgartner. Nos objectifs, le journal de Donna. Les documents qu'on trouvera et les partitions de ce personnage, puisque on va alterner entre Kate et elle et Donna. Donc alors, rejoindre la grande place. Je sais pas si c'est là. On dirait que tout le monde est parti à la hâte. Oh bon sang, ils doivent tous m'attendre sur la place. C'est une célèbre pianiste, hein, donc. Alors, au cours de l'aventure, des objectifs secondaires vous seront proposés. Vous n'avez aucune obligation de les accomplir, mais les réaliser vous permettra de découvrir du contenu additionnel et des aspects secondaires de l'histoire. Attention toutefois, l'objectif secondaire en cours sera annulé si vous progressez dans l'histoire avant de l'avoir accompli. Gardez donc l'œil ouvert et n'hésitez pas à sortir des sentiers battus. Donc par ce petit icône là. De livres. Alors. Pas mal du tout. Je me demande si papa le vendrait dans sa boutique, ceci dit. Alors, enquêter sur le ghetto. Enquêter sur le ghetto ou rejoindre la grande place. Donc, si je vais à la grande place, ça va m'annuler enquêter sur le ghetto. On va se balader un petit peu, c'est un peu le but du jeu. Excusez-moi. Bon sang, une pierre? Eh oui, des vandales. Vous allez bien? Oh, je m'en remettrai. Ce qui m'inquiète, c'est que ça empire chaque jour. C'est ce que dit mon père. Au faire avec. Voyons le bon côté des choses. Ça me donne une bonne raison de faire des réparations que je repoussais. Vous savez qui a fait ça? J'ai ma petite idée, oui. Une bande de voyous bons à rien. Je vois de qui vous parlez. Mais ils ne se sentent forts que quand ils sont en groupe. C'est vrai. Les gens comme eux peuvent être dangereux quand ils suivent un idéal. Surtout s'il est basé sur la haine et le rejet des autres cultures. Et ils ne portent pas les Valéranes dans leur cœur, je vous l'assure. C'est bien malheureux. Oh, faut faire avec. On a tous son fardeau à porter, pas vrai? Je suis persuadé que je vais m'en sortir. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Ah, oh, assez parlé de malheur. Oh. Serait-ce un porte-partition que vous avez là? Seriez-vous l'heureuse jeune fille qui va nous régaler les oreilles sur la place musicale cette année? Eh oui, je dois y aller. Il est bientôt l'heure. Eh bien, laissez-moi d'abord vous féliciter. La musique est l'un des seuls plaisirs qui nous restent ces temps-ci. Alors, merci, Fräulein. Merci
de la partager avec nous. Me feriez-vous l'honneur d'écrire quelque chose dans le ciment avant de partir? J'ajouterai la date, comme ils font à Hollywood. C'est à la mode en ce moment, vous savez. Eh bien, je... À moins que cela risque de vous mettre en retard. Très bien. Entendu. Utilisez ça. Vos initiales? Oui, ce sont celles de Dana Rose. Eh bien, Dana Rose, vos initiales sont désormais immortalisées dans le ciment. Tâchez de vous en montrer digne. Merci, mein Herr. Maintenant, je dois vraiment y aller si je ne veux pas être en retard à l'Académie de musique. J'écouterai d'ici. Merci, au revoir. Alors on va inspecter... Pourquoi abîmer des livres? C'est une honte. Il est arrivé la même chose le mois dernier à la boutique de l'ami de papa, Herr Zimmer. Même si mon concert se passe mal, j'aurais au moins laissé une marque pour la postérité. Alors on en est où? Toujours enquêter sur le ghetto, hein, donc je pense qu'on va être en retard avec moi, comme d'hab, hein. Le ghetto. Maman et papa en parlent souvent quand ils pensent que je n'écoute pas. Ils disent que de plus en plus de Valiran sont obligés d'y vivre. Je ferais bien de ne pas traîner ici si je ne veux pas être en retard sur la place. Donc on a validé enquêter sur le ghetto. Donc notre quête secondaire a été validée. On peut repartir sur notre quête principale. Il est déjà si tard. Frau Beckmann va me tuer si je n'arrive pas à temps sur la place. Alors, regardez autour de nous. On a quelqu'un ici à qui on peut parler. On est à la bourre, mais autant... Quitte à être à la bourre, autant l'être pour de bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Dégage! Le Parti National Socialiste d'Ostertal. Je crois que c'est ce que papa appelle l'ombre brune. Des brutes en uniforme, d'après lui. Je ferais mieux de ne pas traîner. On a atteint l'objectif. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Frau Leinrose, vous voilà. À quelques minutes près, vous auriez été en retard. Veuillez m'excuser, Frau Beckmann, j'ai été retardée en chemin. Puis-je voir votre convocation, je vous prie? Gardez vos partitions pour le concert. C'est votre convocation qu'il me faut.
Merci, Fräulein Rose. Maintenant, n'oubliez pas, jouer au concert du printemps est un grand honneur qui récompense le meilleur élève de l'Académie de musique chaque année. Il est donc impératif de vous en montrer digne. Je ferai de mon mieux, Frau Beckmann. Le piano est prêt. À vous de jouer, Dana Rose. C'est un piano d'époque, hein. Ça me fait plus penser à une orgue plutôt. Alors, on peut orienter la caméra maintenant en clic droit et en déplaçant la souris, ok? Préparer le piano. Toujours les énigmes hein, habituelles de... Sibéria. Tout ira bien, Dana. Tout ira bien. Tu ne vas pas faire d'erreur et ils vont sortir du beffroi comme prévu. Allez, quoi ? Joue quelque chose ! Allez, je ferai bien de commencer rapidement. Il faut d'abord que j'active le piano. Il y a un mécanisme sur le côté. À savoir que la caméra est inversée. Je vais me faire engueuler par les gens qui sont venus. Indique que vous pouvez manipuler, sélectionner le point blanc, puis maintenez le clic gauche en déplaçant la souris dans la bonne direction. Ok. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à poser ma partition et commencer. Ils ont vraiment tout changé. Toujours les automates, on les a toujours comme dans le 1, le 2, le 3. Thank you.
Alors, on passe en 2004. Où là, on va retrouver Kate. L'héroïne, je le rappelle, du 1, du 2 et du 3. Et pas que. De nouveaux personnages aussi. Alors, vous pouvez consulter votre journal pour obtenir un rappel des événements précédents. Le journal vous donne également accès à vos objectifs ainsi qu'aux documents et aux objets de votre inventaire. Il faut cliquer donc sur le petit bouquin. C'est pour ça que la première vidéo que je vous ai mis, c'était le récapitulatif du 1, du 2 et du 3. Bien que, comme ils disent, ça n'a aucun rapport, le dernier là que l'on voit à l'écran. Il n'a aucun rapport, vous pouvez très bien le jouer que maintenant et faire après le 1, le 2, le 3 si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est mieux de le faire dans l'ordre. Alors, consulter, faire le point sur la situation, parler à Katyusha. Alors, à la recherche de Kate Walker, Madame Olivia Foster. Madame Foster, nous n'avons pas l'honneur de nous connaître. Mon nom est Mick Quentin. Je suis détective privé, voici quelques années déjà. J'ai été sollicité par le cabinet Marson et Lormont pour retrouver Kate Walker et la ramener aux États-Unis, si vous vous rappelez bien. Mais je vous mettrai les let's play à la fin. Kate n'est pas rentrée à New York comme on lui avait demandé au cabinet d'avocats. Donc ils ont mandaté des gens pour aller la retrouver, mais ils ont du mal à la retrouver. Ou comme vous devez le savoir, elle est inquiétée par la justice pour de graves accusations de malversation financière. Oui, toujours mon problème d'élocution, hein. Voilà. Alors, la poursuite de votre ami a été mouvementée. Je le crains bien d'avoir laissé dans cette épreuve une part de ma santé et de ma raison. J'ai fini par être victime d'un accident suffisamment sérieux pour me retrouver aujourd'hui à la clinique de Valsembourg, où j'achève ma convalescence. C'est ici qu'a finalement échoué le colis que vous avez demandé, que vous avez envoyé à Miss Walker. Votre adresse postale figurait sur l'enveloppe. Je crois savoir que Miss Walker comptait parmi vos amis les plus proches. C'est à ce titre que je me permets de vous importuner avec cette lettre. Je dois vous préciser que je ne suis désormais plus mandatée par quiconque pour retrouver cette jeune femme, mais j'avoue m'être attachée à poursuivre ma mission, sans autre objet désormais que de tenter de prévenir Miss Walker malgré elle de tous les embarras dans lesquels elle ne manque pas de se fourrer, et pourquoi pas, le cas échéant, de la persuader de rentrer à la maison. Ok, ici on n'a pas de document, on n'a rien, ici on l'a vu, ici il n'y a rien, au niveau de l'inventaire, est-ce qu'on a une autre page hein? Alors, néanmoins, je dois bien vous avouer, Madame Foster, qu'aujourd'hui je n'ai aucune idée d'où se trouve votre amie, ma longue convalescence m'ayant quelque peu fait perdre le fil des derniers événements, je ne me propose de reprendre le plus tôt possible mon enquête et de retrouver votre ami afin de lui transmettre votre courrier, bien à vous, Nick Quentin. 23 décembre 2004, chère Madame Foster, j'espère que cette lettre vous parviendra bien. J'ai la joie de vous annoncer que j'ai pu retrouver les nomades Yukolst. Oui, parce que dans le 2 et dans le 3, elle est chez les Yukolst. Ils escortaient Miss Walker la dernière fois que je l'ai vue. Ils m'ont dit que malgré le sacrifice d'Oscar, et oui, nous avions perdu notre mascotte Oscar, l'automate, pour la protéger, elle a été capturée par une dangereuse milice fasciste. Alors là, pas sympa, parce que le problème d'élocution suite à l'opération, j'ai beaucoup de trucs à lire. Il y a des mots, ça peut être le top. Hein. Fasciste local, après plus d'un an d'enquête fastidieuse, d'accord. Cette piste m'a permis de localiser Miss Walker avec quasi certitude. Elle est détenue dans une mine de sel. Cette mine est en réalité un camp de travail qui appartient à un consortium de criminels et de néo-nazis à la recherche des vestiges de la grandeur passée de leur nation. Je viens d'arriver dans la région comme je le pensais. Les gardes de la mine ont refusé de me remettre Miss Walker. Ils ont même repoussé mes tentatives de pot de vin, relativement faibles, je dois l'admettre, en raison de l'état déplorable de mes finances. Les gardes m'ont toutefois assuré qu'elle allait bien. Pour une raison que j'ignore,
Ils ont éclaté de rire en mentionnant qu'elle était proche de sa compagne de cellule, pardon, et que les deux jeunes femmes se protégeaient mutuellement. Ok. Donc on a tout lu. Ils vont m'épargner. Donc il faut qu'on parle à Katyusha et faire le point sur la situation. On va donc parler à Katyusha ici. Bien dormi. Comme un ours. Donc c'est Kate bien ici bien. À gauche. Hein. Elle a bien changé. J'ai l'impression qu'un charme est passé dessus. Ça va ? Super. Creuser dans une mine de sel 12 heures par jour en espérant y trouver un fragment d'ivoire. Qu'espérer de plus ? Ne te laisse pas abattre. Peut-être que je me suis plantée. Peut-être que j'aurais dû écouter mes parents. Si j'étais restée sagement dans les cœurs de la nation comme un bon petit pion au lieu de former un groupe de punk contestataires, j'en serais pas là maintenant. Contente de t'avoir par contre. Écoute Katyusha, on va sortir de là, d'accord? C'est ça, si tu me dis. Il faut qu'on se bouge, Katyusha. Imagine que la gardienne ne trouve à rien faire, alors qu'on devrait être prête. Qui? Simona? C'est pas une sainte, mais c'est pas la pire non plus ici. C'est vrai. Je serai prête, t'inquiète. Laisse-moi juste 2 minutes pour émerger. Aujourd'hui, il faut qu'on relaie l'équipe orange dans la galerie C, c'est bien ça? M'en parle pas. On dit que c'est un point dur. Isolé sans équipe de secours disponible. Ce qui est dingue, parce que c'est la galerie la plus instable. Allez, Katyusha, il faut qu'on y aille. Ouais. 5 minutes, pas plus. Da? Da. Alors, faire le point sur la situation, c'est fait. Se préparer au travail. Je suis vraiment scotchée, car vraiment, ils ont revu tous les graphismes par rapport au 1, au 2, au 3. Déjà, le 3 avait été bien arrangé. Et là, Kate, on la reconnaît pas. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que les deux personnages, là, heureusement qu'on a la possibilité de mettre les noms des personnes qui parlent, parce que je ne serais pas foutue de faire la différence, on dirait des jumelles, hein, peut-être la coiffure. Mais moi, de mon côté, je serais incapable. Donc, se préparer pour le travail. Ben, on va aller inspecter ça. Alors, dans les profondeurs des mines de Sibérie, restez fiers, soyez patients. Vous n'avez pas disparu dans vos tristes tâches. Votre aspirations ne sont pas dissoutes. Fidèle accompagnon du malheur, l'espoir dans votre sombre citadelle réveillera la vigueur et la voix, car viendra le temps des retrouvailles. L'amour et la communion traverseront les portes sombres du bagne et atteindront vos terriers à travers ma libre voix. Que tombent vos lourdes chaînes, que s'effondrent vos citadelles et que la liberté vous attende gaiement sur le seuil, là où vos frères vous donneront l'épée. Alexandre Pouchkin. Ok. Alors, on peut observer attentivement les objets sous tous les angles. Ça nous permettra de trouver des informations utiles sur leur origine ou leurs usages. Oui, des fois, il y a des codes cachés sous les objets. Donc, il faut pivoter. Il y a peut-être des fois des choses dessous. Et pour cela, il faut maintenir le clic droit et déplacer tout simplement la souris pour pouvoir le faire. Très bien. Alors. On a une tête de mort derrière. Qu'est-ce qui est écrit ? Beast. Bête. La bête. Le groupe punk de Katyusha. J'aurais adoré les voir sur scène. Ok. Alors, le médiator, pour ceux qui ne savent pas, ça peut arriver. C'est ce qui sert pour quand on joue de la guitare.
Alors. Ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Retour. Ben, on va se débarbouiller, je pense que c'est pas mal. Mais ils nous ont vraiment changé notre petite Kate en vrai punk. J'ai vraiment du mal à la reconnaître. Hein. N'oublie pas ton porte-bonheur. Je ne t'ai jamais vu sans. C'est tout ce qui me reste. Le cœur d'Oscar, donc, qu'on avait gardé. Il contient toutes les données d'Oscar. J'ai eu la chance de pouvoir le voler aux soldats de la milice qu'il avait ramassé à la frontière entre Baranoura et Castan. Encore faudrait-il que je lui trouve un corps compatible, si j'arrive à partir d'ici, bien sûr. Ok. Encore une journée de travail à un temps de perspective. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Kate? Oh, j'arrive pas à croire que ça fait presque un an que la milice m'a envoyé dans ce trou. Il faut que je sorte, que je bouge. Peu importe où. Mais comment? Aucune nouvelle de l'extérieur. Rien. Est-ce que quelqu'un sait seulement que je suis ici? Bon sang, quelqu'un doit bien être à ma recherche, pas vrai? Pas vrai? Alors, se préparer au travail. Alors par contre, là où je suis pas vraiment d'accord, c'est que pour ceux qui n'auraient pas fait le 1, le 2, le 3, effectivement, vous n'avez pas capté là. Donc, je suis pas très d'accord avec les devs hein, qui ont dit tout bêtement, oui, non, c'est possible de faire celui-là avant les autres. Donc ça, on l'a fait. Retour. C'est bon pour la préparation au travail. Contente que tu sois là. On se quitte pas, Katusha. D'accord? Équipe bleue. Hé, du courrier. C'est pour toi, Lenkanska. Merci. Traîne pas, ok? Je te donne 5 minutes pour ouvrir ton colis. Sinon, quelqu'un de moins sympa que moi viendra te chercher. Examiner le colis. Une boîte à musique. On va la tourner. Ah, il y a un petit truc là à regarder. Cette mélodie m'a marquée dans mon enfance. Je me souviens que même ma mère n'a jamais pu trouver comment elle s'appelait. Ça appartient à ma mère. Je jouais tout le temps avec quand j'étais petite. Olivia Foster, New York. Qu'est-ce qu'elle peut m'envoyer vu notre dispute après mon départ avec Hans?
Bizarre. Quoi? « 23 août 2003. Cher Kate, où que tu sois, j'ose espérer que cette lettre, même si elle est porteuse d'une bien triste nouvelle, te parviendra à temps, afin que tu puisses prendre tes dispositions pour rentrer ici, à New York. » Ta mère, Sarah Walker, est décédée cette nuit au Mount Sinai Hospital. Elle était souffrante depuis plusieurs mois, et pour elle, sa mort a sans doute été une délivrance. L'inhumation aura lieu jeudi de la semaine prochaine. Nous avons retardé la cérémonie pour te donner la possibilité d'être parmi nous. J'ai cru comprendre qu'en rentrant aux USA, tu risquais de devoir rendre des comptes à la justice. Parfois, il vaut mieux payer ses dettes à la société une bonne fois pour toutes, plutôt que de vivre une vie de fuite perpétuelle. Et puis, pour une fois, mets donc de côté ces prétentions aventureuses insensées à l'autel desquelles tu as sacrifié l'amour de ta famille et de tes proches. Je t'en conjure, Kate. Reviens dire adieu à ta mère. Appelle-moi pour que nous organisions ton retour dans les meilleures conditions. Je joins à cette lettre le pendentif de ta mère, dont d'après elle, tu aimais tant le mystère de la mélodie. Je lui ai fait la promesse de te le faire parvenir. Appelle-moi, au nom de ce qu'il pourrait rester de notre amitié. Olivia, 212 359 15 19. Nous repartons avec la musicienne. Félicitations, Dana, ma chérie. Je suis tellement fière de ton concert sur la place de l'Académie de musique. Nous trouverons un joli cadre pour ton diplôme. Merci, mère. Quand tu auras terminé ton cursus à l'Académie de musique l'année prochaine, tu pourras aller continuer tes études supérieures au Conservatoire de Paris. N'est-ce pas, Anton? Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, ma chérie, tu deviendras une grande pianiste concertiste. Tu nous rends si fiers, n'est-ce pas, Anton? Bien sûr. Bien sûr. Si fiers. J'ai très envie de devenir une grande pianiste, mais l'idée de vous laisser papa, toi et la maison pour aller au Conservatoire de Paris, ça ne m'enchante pas vraiment. Il n'est peut-être pas plus mal que tu t'éloignes quelque temps de Wagen. Les temps sont durs en ce moment pour les gens comme nous. Je m'inquiète toujours pour ta santé, tu sais. Heureusement que Herr Gustav a accepté de t'employer au refuge de montagne cet été. Oh, oui. L'air de la montagne te fera le plus grand bien, ma chérie. Au fait, as-tu écrit à Herr Gustav pour le remercier? Eh bien, j'ai été très occupée à répéter pour le concert. Ce brave homme te propose du travail, Dana. Le remercier est la moindre des choses. Oui, mère, je m'en occupe tout de suite. Alors, lire les documents dans la boutique et répondre à la lettre. Je pense qu'il faut répondre à la lettre avant. Un tableau. Je sors ici. As-tu demandé son stylo à ton père? Ah non, oublié. On va demander à papa le stylo. Mon stylo? Il ne doit pas être loin. Super, tu m'aides, papa. Dana, mon chou, je suis occupé. On a bien compris. Papa, est-ce que ton stylo est quelque part par ici? Oui, ça se pourrait bien. Papa est tellement désordonné. Il n'y a pas de stylo. Toujours les énigmes tic-piques des Sibériens. Ah, le stylo. Et encore là, elles sont pas très compliquées, hein, mais des fois, on cherche pendant un moment. Voilà.
Ok, là il n'y a plus rien. Troisième tiroir. Papa est tellement désordonné. Des automates Vorarlberg. Ces machines sont incroyables. Alors, manufacture Vorarlberg, usine d'automates, tout est parti de là. Suite à la vente d'une usine dans le 1 d'un créateur d'automates, tout est parti de là où Kate y est allée pour s'occuper de la transaction et elle est tombée amoureuse des automates. Elle est devenue amie avec un automate du nom d'Oscar et toutes les péripéties et l'histoire débutent de là. Donc je vous invite vraiment à faire le 1, le 2, le 3. Ils sont pas super chers, ça fait longtemps qu'ils sont sortis. Mais franchement, ils valent le détour pour ceux qui aiment les jeux de mystère, d'intrigue, de point and click, d'énigmes et de narratif. Voilà. Donc, heureux propriétaire d'un automate Vorarlberg, n'oubliez pas qu'ils sont garantis à vie. Pour toute demande de remplacement, de réparation ou de remboursement, veuillez nous écrire à l'adresse indiquée sur votre bon de garantie. Situé dans les Alpes françaises à la Vallée d'Hélène, les manufactures Vorarlberg sont à la pointe en matière de mécanique de précision. Nos automates de dernière génération font en effet notre renommée dans l'Europe entière et témoignent tant de la qualité de notre travail que du respect dont nous faisons preuve envers nos clients. Nous considérons que toutes nos créations doivent avoir ce petit quelque chose en plus qui les rendra uniques, un authentique supplément d'âme. Wagen et nous, si nous les manufactures Vorarlberg, nous targuons d'être proches de tous nos clients. Nous entretenons une relation privilégiée avec Wagen et sa population. À raison de cette proximité au cours de l'un de ses voyages, notre ingénieur en chef visionnaire Hans Vorarlberg a découvert une Wagen dévastée par un terrible incendie de sinistre mémoire. Ému par la situation, M. Vorarlberg a fait contribuer nos manufactures à la reconstruction et à la mécanisation de la ville, reconstituant sa beauté éternelle tout en la propulsant dans la modernité grâce aux automates des cris. Dernier cri issu de nos ateliers. Oui, on a pu le voir lors du concert et franchement, j'ai trouvé ça très joli. Vous me direz ce que vous en pensez. Retour. Retour. On pourrait écrire une fois un papier, je suppose. Alors ici, je ressors. On va peut-être demander... Est-ce qu'on peut demander à la maman? N'oublie pas de te montrer très poli envers Herr Gustave. Ok, ouais, mais... Faut que je parte pour ça, alors. Mais non, faut que j'écrive. Alors... Ça m'embêterait de passer à côté de la quête secondaire, hein, puisque si je fais la quête principale, elle saute, hein, comme on l'a vu. Ben, je pense que ça c'est le papier. Voilà, on a fait la quête secondaire. Alors. On va faire un cher. Cher très poli. Gustave, j'aimerais vous remercier. Non, 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 Dana, c'est trop dangereux. Oh, mais qu'est-ce que. Les nazis ont tout cassé. Examinez la barricade. Dana, ma chérie, non, non, donne-moi ça, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Qui est-il décrit, père? Ce n'est rien, Dana. Rien que de la haine. Nous laisserons-ils tranquilles un jour? Allons, Lena, ma chérie. Hé, hey, allons, regarde-moi. Ne te laisse pas abattre, d'accord? Ou sinon, nous finirons tous les deux à Paris, avec Dana.
jeter un œil à la note. On va le faire. Bon, d'abord, regardez là. Qui peut faire une chose pareille? Pourquoi s'acharner sur nous, sans raison? Une lettre de menace. Hop. Dégagez d'ici, sale Vagueron. C'est horrible. Et on retourne en 2004, retrouver Kate dans sa prison. Secteur de la taïga de fer, mine de sel, hiver 2004. Kate, viens. Allez, au travail maintenant. C'est ça. Je vais me remettre à creuser. Toi, approche le wagonnet à côté de moi, ok? Désolée, ma belle. On aura toute la nuit pour pleurer. Se mettre au travail. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en rester là pour cette première partie de la découverte de la démo. On se retrouve très vite pour la partie 2. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Siberia est un jeu très connu, hein. C'est un des piliers du jeu narratif. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, ça aide au référencement, ça motive aussi pour vous poster des vidéos. Comme ça, ça nous permet de voir si vous aimez ce qu'on vous propose ou pas. Et écoutez, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour la partie 2. Bye bye.